Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exactement. Alors aujourd'hui on a été faire un chinois. On a pris du barbecue, on a pris du charbon de bois parce que le charbon de bois est hyper cher en Espagne. On ne sait pas pourquoi. Et au chinois, c'est vrai qu'il est, il est assez raisonnable. Ensuite, des petites pinces, vous savez, des petits crochets pour mettre les louches et tout, parce qu'il y a tout qui vire à chaque fois. Donc ça, il faut absolument qu'on fasse quelques petites modifs. Et voilà, des trucs antidérapants pour éviter qu'il y a tout qui vire. Voilà, que des choses utiles. Là, nous sommes encore à Almeria. On va faire un décathlon si on a deux chaises achetées pour les petits, voire pour une table, parce que celle qu'on a, elle n'est pas pratique. Allez, c'est parti, on vous embarque avec nous pendant deux jours, parcourir les déserts de Tabernas et de Goraf. Voilà, c'est joliment dit comme ça. Est-ce qu'on va y arriver en deux jours? J'en sais rien. Mais... T'as vu, on croirait presque que c'est de la pierre et c'est une genre de fibre. Regarde. Ouais, c'est de la fibre de décor de cinéma avec un genre de torchis, tout ça. C'est bien fait. Hein. Et les pierres, c'est des vraies? Ouais, ça, c'est des vraies pierres. Je suis sûr que c'est Star Wars. Tout le monde fait. On fait tous pareil, en fait, on tape pour voir si c'est du vrai ou pas. Quand je vois ça comme ça, j'ai l'impression que c'est Star Wars. Ah, ça me parle. Ah, ça me parle, ces décors. J'ai déjà vu la télé. Ils devraient mettre pour quel film ça a été fait. Le vieux village, là, regarde. Allez, voyez là. Mais non, partez par ici. Alors, si c'est... Je me crois dans un film. Si c'est un film comme ça, c'est pas Star Wars. Hein. Ouais, Star Wars, c'est... Oh, voilà. Je suis ton père. Tu t'amuses? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Elle est grande, ta cuisine, fais voir. Julia va nous faire voir. Ah non, c'est fini. Ouais, mais ça sert à rien, c'est écrit. Ok, nous sommes au cœur de ce village. Tu veux une photo? Vu ce décor, regardez les trucs comme ça et tout, avec les vieux trucs en toile de jute, c'est sûr, tout ça est monté de toutes pièces, c'est de la fibre. Je suis... Regardez, même les briques, elles sont fausses. C'est vraiment bien fait, hein. Ça fait vraiment décor. Il y a encore une ruelle ici. Excellent. Il y a une vraie maison là. Ouais, il y a une... Oh. Ah bah ça c'est la maison de Maître Yoda. Ah je suis sûr c'est Star Wars. J'en suis sûr. Star Wars, j'ai jamais réussi à le dire. Star Wars. Star Wars. J'arrive pas. D'accord. Star Wars, c'est ça? Non, Star Wars. Star Wars. Voilà. Warzazat. Ah ouais, Star Wars. Excellent. C'est vraiment... vraiment marrant. Regardez, là juste un mur, je sais pas à quoi il sert. C'est drôle. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ils ont fait un mur. C'est juste pour la vision, voilà, regarde. En fait, à la caméra, voilà, tu pensais qu'il y avait une ruelle là-bas. Donc à l'image, ouais, ils peuvent faire un tournage et tout. Et en fait, il n'y a plus rien. Voilà, c'est dingue. Hein. Apparemment, il y a eu Exodus, Game of Thrones, bah quelques passages. Hein, et après d'autres films, pas loin de... Bah, il y a eu pas mal de films. Hein. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez les films qui ont servi, si vous avez les films qui ont été tournés ici. Moi, ça m'intéresse.
là, ils sont en train de refaire un décor là-bas. Ça se trouve, on tourne un film dans l'année. Et là, je vais vous faire voir un bâtiment. Un décor, quoi. L'extérieur, c'est bien de la pierre. L'intérieur. Donc apparemment, tout ça, ça aurait servi déjà pour le film Exodus, hein, ce que j'ai regardé. J'ai vu un extrait, en fait, c'était le décor de tout à l'heure, on était avec les enfants. Et puis voilà, là, c'est ça. Là, c'est bizarre, ce truc. Hein. Il y a ce petit ponton, là, avec une corde. C'est un peu gore. Hein. Et puis après, vous avez des pièces partout. Alors, ben ouais, ils ont dû tourner plein de scènes, ici. Hein. Vous voyez ? Bon, toujours des déchets, hein, ça. Et ça fait vraiment vraie maison, mais quand on voit... Hop, c'est tout du faux. Regardez les belles voûtes. C'est joli, hein, le torchis. Touchez. Voilà, bah c'est ça. C'est un petit grillage avec de la fibre partout. Toutes les voûtes, elles sont comme ça. Et puis, bah, y a des pièces un peu partout, quoi. Encore des pièces là-bas. Encore une pièce ici. Voilà, vue d'ensemble, ce que ça donne. Cette nuit, elle n'était pas terrible. J'aurais bien aimé voir l'intérieur, comment réagissait leur tente pour comparer. Parce que la nôtre, elle n'a pas arrêté de claquer. En fait, vous avez la toile noire qui claque sur la moustiquaire qui est en dessous et partout. Ça fait toute la nuit. Bah ouais, en fait, quand tu regardes toi, t'as pas autant d'ouverture. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ouverture. Non, ça fait. Mais c'est peut-être pas plus mal. Monotoile, j'en sais rien. Ouais. C'est peut-être pas plus mal, va savoir. Vous avez juste une moustiquaire devant, derrière, et sur les côtés pour vos entrées. Mais nous, on a plein de machins à droite, à gauche. Au final, tu t'en sers pas. Parce qu'il fait pas encore chaud aussi. Il faudra voir quand il fera chaud. Est-ce que vous manquerez pas d'ouverture ? Je sais pas. Possible. Mais voilà, c'était vraiment pas terrible. Hein. Et hier, on a regardé des extraits de Exodus. Et ouais, ça a été vraiment tourné ici. Hein. Le petit décor, tout ça derrière. C'est dingue, hein. Et là, on va se mettre en route direction le désert de Tabernas. On va aller au mini-oasis, la mini-Hollywood, je sais pas trop quoi, où on avait été l'année dernière, et puis on va attaquer les pistes. Tout ça en redescendant vers le désert de Goraf, et ensuite on redescend vers... Le but, c'est d'arriver à Coripé la troisième semaine, comme c'était prévu pour la petite rencontre. Lola. C'est de l'espagnol? Mores. Ouais. Si. Si, señor. Si, señor. On est passé par un endroit tout à l'heure qui n'était pas fermé il y a genre 2 semaines et là ils ont tout fermé. Donc maintenant on va regarder si il y a des trucs qui sont tombés ou pas. Sur le site de la frigo est fermé. Ah, t'as le sourire. Le meuble est fermé. Oh, ça va. Attends. Regarde, le câble du frigo n'est pas tendu, donc il n'y a rien qui pousse derrière. Ah, écoute, ça a l'air d'aller. Eh ben, impec. On est tous en train de rigoler parce qu'ils ont dit ouais, enfin non, je sais plus comment c'est venu. On monte sur la caravane. Parce que Théo, tu es en train de dire ouais, t'es un vieux pas et tout, mais regarde. Allez! Allez! Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est bon. Allez, file. Allez, Lucie. Non, maman? Ah bah, mais bon. Non, moi je sais que j'y arrive tranquille. Ouais. Jess! Vas-y, Vika, à toi. Ouais. À toi.
Il l'a fait tout à l'heure. Attention à la lumière, hein. Ah, faut descendre. Hein. Faut que j'y arrive. Arrive. Ah, mais toi, t'as moins peur, tu sautes sur ta caravane avec le pied. Après ça, moi. Quelle petite gazelle, lui. Vieux, là. Ouais, mais j'ai plus faim. J'ai pas dit que t'étais un vieux, j'ai dit que t'étais un vieux. Oh, c'est pas pareil. À moi. Attends, allez, à Lucas. Ah. Allez, Lucas. Allez, Lucas, vite. Vas-y. Allez, on te regarde. Allez, ça, ça. Oh, voyons. Oh, t'as pas fait ou quoi? La puissance. Bravo. On s'est arrêté pour manger, en ce moment on fait pas beaucoup de route. Hein. Ouais, j'avoue. Le temps de mettre tout ce qu'il faut, on a fait plein de gasoil, plein d'eau. Et on était parti avec l'itinéraire. Attends, on a mis du gasoil à 1,56€. Attention. Là on était parti avec le OS Monde. Et puis on est arrivé sur un chemin privé. Enfin, on savait pas trop. Donc, on a fait un petit détour, vous avez vu. Qui est pas censé être privé puisque le chemin est indiqué non, sur la carte. Non, c'est pas privé, voilà, c'est ça. C'est pas privé, mais. Ils ont fermé le truc. Enfin, ouais. Du coup, on s'en va ailleurs. On a trouvé un spot un peu plus loin. Et là, on a mis tout dans Globetrotter avec le Overtrack. Et c'est Mika qui l'a devant nous. On l'a pas la tablette. J'ai pas voulu la prendre parce que déjà, c'est trop gros. Ça va prendre de la place. Vraiment, ouais, voilà, faut vraiment qu'on fasse attention. Elle est trop grosse. J'aurais peut-être dû la prendre. Voilà. Donc là, on va voir. Ah, mais non. Là, sur le pare-brise, t'as vu, elle prend de la place à chaque fois. Voilà, c'est ça. Là, on a. Ouais, mais c'est bien quand tu veux regarder la carte. Ouais, donc, on sait pas ce qu'on va faire. On va peut-être la reprendre au printemps. Là on a 20 km et tout par les pistes. Donc tout ça avec l'overtrack du globe. Et avec la pluie. Ouais, il fait pas très beau. Vous êtes nombreux à me demander sur Insta quel temps il fait. Mais en ce moment, ouais, il fait pas top en fait. Ah bah je sais plus. T'as dit on fait je te suis, ouais en fait. J'ai pas regardé sur le mien. Parce qu'en fait, il devait y avoir un ballon, on va faire tout là, mais il devait y avoir un chemin dans l'autre sens en fait. Je l'ai pas vu. Il y avait une patte d'oie là, trop. Non. Il y avait une patte d'oie, ouais, juste avant, là, à droite. Tu pouvais aller à droite. Reste par là, je vais voir vite fait au cas où tu fasses pas demi-tour pour elle. Je te filme un peu, ça te dérange pas? C'est délire! T'as un compte Insta? T'as un. Ouais, c'est noté à l'arrière, c'est Gilles Stay. Mais génial ça! Tout le monde qui est descendu passer l'hiver en Andalousie, donc ça va. C'est cool! Combien de kilomètres par jour à peu près? De 30 et 50. Ah quand même! Si j'arrive à 20, ce sera très très bien, je pense. Bah si tu tapes des côtes comme ça, ouais. Un petit bébasto derrière? Non, c'est une boîte en métal dans laquelle je mets des bougies chauffe-plat et c'est ça qui me chauffe. D'accord. Il ne faut pas grand-chose, hein. Avec 3 bougies chauffe-plat, j'ai plus 20 degrés, donc ça suffit largement. Génial. Ouais. Et bah bonne route à toi. Merci à vous. Allez. Allez, bye bye. Ciao, bye. Bye. Excellent ce truc là. Je ne sais pas si vous avez bien repéré le compte Insta derrière, mais à suivre quoi. C'est Gypsy GYSPY, un truc comme ça, Snile, SAINSNAIL, voilà, un truc comme ça. C'est excellent. On se disait au loin. Il faut qu'on fasse notre voyage en Rosalie. On se disait au loin, c'est quoi ce petit truc là dans la montée là? Je dis véhicule lent, c'est un français charotte, oh là. Bah ouais, je dis oh là, il a dit oh là. Et puis vu comment il a dit oh là, un peu comme nous. J'ai dit, mais tu parles français. Bah surtout quand tu vois marqué véhicule en français derrière, c'est pas un étranger, c'est un français. Non, mais ça aurait pu être un truc, je sais pas. Oh, c'est trop bien ça.
On est dans un petit chemin. Allez. On se rend pas bien compte en vidéo. Je suis essoufflée. Je suis en train de faire des petites séquences pour faire un TikTok. Je suis morte. Il va falloir vraiment que je me remette au sport. Hein, parce que vraiment, un bon 10 minutes qu'on est sur ce chemin-là. C'est des petits bivouacs Parc Fortnite. C'est magnifique. Bon, je dois avouer que le temps, depuis le deuxième voyage qu'on a fait en Espagne, bah, il n'est pas trop avec nous. Hein. Théo et ses plans. Voilà, impeccable, c'est bon. Donc vous voyez, là on est posé là, au milieu de nulle part. Faut que le temps reste comme ça, parce que ce soir les gars, comme ils ont été faire les courses hier, ils ont acheté que du barbecue. Voilà, hein, donc c'est à eux de cuisiner. Voilà, donc ils ont dit, t'inquiète bébé, je gère le barbecue. Non, il n'y a pas de montage ce soir. Non, on est vendredi, c'est demain ton montage. Voilà, petite soirée près du barbecue. On a fait vraiment très simple, on n'a même pas sorti les chaises parce qu'il fait tellement froid que là on va aller vite se coucher. J'ai qu'une hâte, c'est me enrouler dans le sac de couchage. Moi qui ne pouvais pas dormir dans le sac de couchage avant, maintenant c'est devenu mon meilleur ami. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà, et là on a fait petite saucisse, tout ça, petite bricole. Et on finit de cuire. Des saucisses de poulet. On finit de cuire les petits choux-fleurs avec des épices que Charlotte a préparé. Qu'est-ce que tu as mis, Charlotte ? J'ai mis du sel, du poivre, du paprika, du curry et j'ai mélangé avec de l'huile d'olive. Est-ce que tu me mets une petite saucisse ? Alors je sais pas si l'Omnia peut aller sur le barbecue, mais du coup on essaye. Voilà. Oui. Vous avez fait un grand ménage ? Oui. T'as mis tous les petits nounours ? Les doudous ? J'ai plus bien dégrincé. Alors voilà, là, girafe, cela. Oh bon, on ne voit plus du coup la girafe, elle cache l'autre. Mais la girafe au fond, comme elle est plus grosse. Là. C'est Souris qui s'appelle. Et lui, il s'appelle comment? Corne. Licorne. Je vais surveiller Allumette. C'est pour Allumette. C'est un copain? De la colline, on descend de la colline, on descend de la colline en Terrano. Oh, j'aurais pu faire The Voice. Non ? Oui, bien sûr. Bon bah ça y est, on a bien dormi cette nuit. Il a fait un petit peu froid, mais franchement ça a été. Donc, c'est là, un jour spécial pour Sergent. Pourquoi ? Parce qu'il va bientôt passer les 300 000. Ah oui ! On va vous filmer ça, on est à 299 998. On va peut-être se séparer avec les copains parce qu'eux, ils veulent continuer de prendre les pistes et pas nous, clairement. Hein, voilà. Obligation professionnelle. Voilà, il faut qu'on s'arrête à un endroit où on capte pour pouvoir exporter la vidéo, parce que vous savez bien que quand on fait le montage le samedi soir, il faut tout faire le soir pour qu'elle soit à l'heure à 7h le dimanche matin. Et vous savez bien que si je suis pas à l'heure, ça me stresse. Voilà, vous savez tout. Donc là, faut que je pense qu'on va un peu faire des pistes et après on va se séparer et on va prendre un peu la route. Une route de montagne, on va prendre, ça va être sympa quand même. Ouais. Bravo Sergent. Et santé, mais pas des pieds. Oh, ça dit. Ah ouais, santé sergent. Santé sergent. 300 000 km pour sergent. Ce Terrano 3 litres. Pour ceux que ça intéresse, c'est des véhicules qui sont très 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 fiables. Et un gros 3 litres comme ça qui tourne en général toute sa vie à 2000 tours, 2500 tours maxi. C'est des véhicules qui peuvent aller très très loin. Ils pourraient aller à 450 000 km sans souci. Non, c'est pas une annonce pour le mettre en vente, hein, vous inquiétez pas. Non, du tout. Non mais voilà, puis c'est ce qu'on s'était dit, on savait qu'il avait des kilomètres, mais comme on l'a pas payé très cher, on a fait pas mal de frais dedans, maintenant il est quasiment tout neuf de partout. Si vraiment le moteur il casse, ben on en remet un, ça fait un investissement c'est sûr, mais on repart avec quelque chose de neuf. Mais là franchement, il respire la santé. Bah je trouve que pour un faux 4x4, il a encore la santé. Hein. Ah ouais, non,
vraiment, il a vraiment la santé, il démarre bien, il fume pas bleu, pas blanc, enfin heureusement d'ailleurs, même pas noir, il roule super bien, c'est une distri à chaîne ou à pignon, je sais plus très bien, mais il n'y a pas de courroie, on s'embête pas avec ça, et c'est un gros 3 litres 4 cylindres, ceux-là ils sont éprouvés, hein. Ils sont sur les patrols, ça peut faire même 500 000, hein. Si vous avez, vous savez, un moteur, si vous en... J'allais le dire, c'est comme tous les véhicules, voilà. Si vous faites vos entretiens, si vous les bichonnez, ça comme vos femmes, 100 000, hein. Et ben vous les garderez longtemps. Exactement. Eh, c'est pas bête, ça, comme... Toi, t'aimes pas quand je compare aux femmes et que tu viens d'en faire une de comparaison. Ouais, j'ai fait exprès. Ben, c'est un peu ça. C'est comme les femmes, faut les bichonner. Exactement. Ouais. Si vous les caressez avec vous, voilà. Je mange du raisin, vous avez vu? Parce que ça fait déjà plusieurs jours que moi, Charlotte... Je n'ai pas mangé du sucre. Je dis moi parce que normalement on est censé faire un genre de régime sans sucre, comme on vous avait expliqué la fois. Tu manges du raisin, tu parles. C'est du sucre naturel. Je mange pas du faux sucre. C'est du fructose. Toi, t'as mangé des cochonneries, des palmiers et tout. Et moi, j'ai résisté. Et j'ai rien mangé. T'as mangé quoi? T'as mangé des petits pains aux noix de pécan, tout des trucs comme ça. Et moi, j'ai résisté. Et je suis fière de moi. Donc là, on va à notre futur bivouac et on s'aperçoit qu'au fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a des montagnes avec de la neige. Et normalement, c'est de l'autre côté de la montagne. On a vu un panneau chaîne obligatoire. Non, on n'a pas prévu ça, non? Un panneau à LED. Donc, c'est pas un panneau fixe permanent, tu vois. Donc, je me dis, est-ce qu'on va passer la neige ou est-ce qu'on va notre bivouac est dans la neige? On tente. On verra bien. Des vrais gosses. Il y a des sacrés yeux. Voilà, petit bonhomme de neige. Le bonhomme de neige au soleil. Allez, on se remet en route et on laisse Joseph ici, notre création à nous tous. À bientôt, Joseph. Prends soin de toi. Et si un jour, dans mes rêves les plus fous, il devient réalité, t'imagines? Je voudrais un bonhomme de neige. Les clés sont à l'intérieur. Non. Premier petit repas sur le pouce.
et quand il fait pas beau. Voilà, il y a un peu d'eau derrière, dehors, on a dit on peut pas manger dehors, il fait un peu froid. Donc voilà, faut que tout le monde soit posé dans le lit. Il a fait sa vaisselle, moi j'ai tout ressuyé, comme ça il m'a tout passé au fur et à mesure. Et puis bah regardez, on est pas belle la vie. Ouais, posé. Elle est posée, pépé, grand cache. Et comment tu fais pour tresser ces cordes de grand cache? C'est sacré. On a essayé de s'en faire la dernière fois. Ça va toi? Toi tu aimes ta nouvelle place hein? Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Hein? Oh ouais, c'est trop bon la vie! On voulait pas qu'elle monte sur les canapés. Mais on a toujours eu des gros chiens et là le petit on dit non, c'est resté une habitude, il monte pas sur les canapés, ça pourrit tout, mais elle. Franchement, je sais pas si ses pattes elles doivent faire la taille d'une pièce de 1 euro, même pas. Donc ça va, c'est pas ce qu'elle salit. C'est des chiens qui sont assez propres, pas comme les Jack ou quoi, qui se roulent dans les cacas, tout ça. Elle, ça va. Elle mange les cacas, les crottes. Bon, là, on a trouvé un bon spot sous les conseils de Jeff et Pascal. Eux, ils ont pas pu y aller puisque fallait 4x4 obligatoire. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est quand même un peu chaud pour y accéder. On a peur de, il y a un rocher là en face et on a peur de toucher. Donc, vous voyez, là, le chemin, ça peut encore passer, là. Mais là, ça devient un peu plus compliqué et il y a ce gros rocher qui dépasse sur la route là. Alors, faut qu'on guide. Alors tu vas guider papa? Vas-y. S'il frotte les arbres sur le côté, c'est pas grave. Hein. Okay. De toute façon, je pense pas qu'elle a touché, il y a la bosse là. Oh, à l'aise. T'es là. Sérieux là? Je crois qu'il y a donc faut juste espérer qu'on puisse capter là. Parce que vraiment, c'est vraiment un super bon endroit. Vraiment. Il n'y a personne. Tu vois, c'est trop chouette. Ouais, c'est trop merci, beau. Merci, Jeff. Merci, tonton Jeff. Bon, moi, j'ai bien vu. Hein. Ah ouais, c'est là, ils vont faire le son sur la moto. Hé, pep. Non. Parce que là, ça t'aspire, là. Ah ouais, non, ça va, je vois que ça pire. Et alors? Va toucher, là. Elle est bonne. Pourquoi je vais toucher? Elle est chaude. Hein. Vas-y, attends, Julie, je viens t'aider. Non, je me débrouille seule. Ok, tu tombes. Elle est bonne. Excellent. Viens toucher là, Lucas, si tu veux. Là. Là où je suis sur la pierre, la chaleur qu'on sent. Ouais, c'est là, c'est ouf. Ça, ça doit être un endroit privilégié des Espagnols. C'est chiant qu'on ait le reflet du soleil, on voit pas l'eau comme elle est belle. Non. J'aime pas me déguider. C'est la fin de cette vidéo, les bandits. Là, il s'est mis à pleuvoir. C'est moyen quand même, mais ça va nous permettre de voir comment on s'organise quand il pleut. Bah là, c'est pas dur. Hein. Les petits sont devant un film sur le lit. Charlotte, elle va faire un pain marocain. Elle a envie de faire ça. Les enfants, on ne sait pas si on va ouvrir la tente, enfin si on va baisser le sommier pour qu'ils puissent aller là-haut se poser tranquille. Et puis, bah, chacun va se mettre à ses occupations. Moi, je vais me mettre sur mon montage. Donc, bah, c'est vrai que là, sortir le PC, il pleut, tout ça, vite. Allez, envoyez-moi la table, envoyez-moi le PC pour que je range tout. C'est une fin de journée qui va être bien utilisée parce que je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je vais prendre vraiment le temps, tranquillement, de faire mon montage, de faire cette petite vidéo que vous allez regarder. Ensuite, il y aura l'annonce de l'eau demain. Et après, c'est fini. Après, il ne faut pas trop se plaindre. En Espagne, ils ont besoin d'eau. Et là, ce qui pleut, c'est vraiment pas assez, quoi. Dans 2 jours, ça sera déjà sec, malheureusement. Il faudrait qu'il tombe une semaine, 2 semaines d'eau sans arrêt, des grosses gouttes, pour remplir les réserves d'eau, tout ça, parce que là, l'Espagne est vraiment, mais vraiment à sec. Vous verrez, sur la fin de notre petit périple, on ira voir un village qui était englouti il y a 30 ans par un barrage. Et à force de sécheresse, eh bien, le village, il a réapparu. Et ça, c'est à la limite Portugal-Espagne quand on remontera tout en haut. Donc on essaiera d'aller voir ça...
s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a plus, imaginons, et puis que ça s'est rempli en un mois, on ne pourra pas voir, mais c'est pas grave. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Corrip le temps de quelques jours, normalement on y sera à partir du 15 mars, voilà. À 2 jours en avant ou 2 jours en arrière, normalement on risquerait d'y être. Et on restera bah, une petite semaine, s'il fait beau, si on est bien, pourquoi pas. Donc vous pourrez passer de temps en temps, dire bonjour, ou passer plusieurs jours ensemble, et voilà, ça permettra de parler entre bandits, de discuter, de se manger des barbecues, de se boire un coup, et voilà, quoi, ça sera cool. Sur ce, je vous laisse. Bye bye. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Este pa' que me bautices. Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah.